Au petit matin, alors que la lumière du soleil perce la brume, une couleur chaude recouvre la surface de l'eau de Tao Hua Tan. Alors que la lumière du matin s'immisce dans les anciennes rues, au milieu des tuiles bleues et des toits noirs, le vieux bourg commence à sortir de sa torpeur et se prépare à accueillir de nouveaux visiteurs venus de loin. Il y a 1200 ans, le poète légendaire Li Pai a écrit ici un poème qui a traversé les siècles. Il a donné à ce petit bourg anonyme, entre montagnes et rivières, une réputation mondiale.沿着青弋江泛舟而下，两岸的山色好像水墨入画一般，映衬着周围古老的徽派建筑。第一次来到桃花潭，就会惊叹于它的美。虽然现在还不是桃花盛开的季节，但是看着沿江的美景，还是让人忍不住想象，当年诗人李白倚舟回望，看着潋滟的水光倒映着灼灼桃花，岸上的友人踏歌相送，他的内心一定充满了感动，才会留下那样动情的诗篇吧。 Tao Hua Tan est situé entre une branche de la chaîne des monts Huangshan et une branche de la chaîne de Jiuhua. Il s'agit d'un vieux bourg très ancien du sud de la province de l'Anhui. Au temps de la dynastie des Tang, cet endroit s'appelait le bourg de Nanyang. Au cours des dynasties des Ming et des Qing, avec la montée en puissance des marchands de l'Anhui, les bateaux qui transitaient dans la région se sont mis à mouiller ici, car cet endroit est très facile d'accès par voie fluviale et le vieux bourg s'est mis à prospérer. Au cours de la période de la République chinoise, Tao Hua Tan a conforté sa position pour devenir un véritable centre de distribution entre les provinces de l'Anhui et du Jiangxi, et on a même commencé à l'appeler le petit Shanghai. Aujourd'hui, le commerce florissant et les mâts des bateaux qui semblaient s'entremêler ont disparu, et la plupart des visiteurs au village sont des voyageurs à la recherche des traces du grand poète. Les gens d'ici disent souvent que dans ce bourg, entre la montagne et la rivière, on peut trouver une beauté indescriptible, une beauté inénarrable et une richesse d'histoire intarissable. Et tout cela grâce à la venue de Li Pai. Au cours du règne de l'empereur Tianbao des Tang, un homme du nom de Wang Lun a été très excité en apprenant que Li Pai était venu visiter la région de Xuanchang dans l'Anhui. Il n'avait jamais rencontré Li Pai, mais cela faisait bien longtemps qu'il admirait le talent du poète. Immédiatement, il a écrit une lettre à Li Pai pour l'inviter à Tao Hua Tan. Pour cette invitation, qui pourrait paraître anodine, Wang Lun s'est donné beaucoup de peine. Et en particulier, il a passé un très long moment à réfléchir à la formulation de sa lettre. Li Pai, qui aimait boire du vin et écrire tout autant qu'il aimait les beaux paysages, a été attiré par cette lettre d'invitation et le spectacle qu'elle décrivait. Et acceptant l'invitation, il s'est rendu à Tao Hua Tan. Mais en arrivant au petit bourg, il n'a pas du tout vu les 10 lieues de fleurs de pêcher et les échoppes par milliers dont parlait la lettre. Tout en s'excusant, Wang Lun a présenté cette explication. En réalité, fleurs de pêcher, Tao Hua, est le nom du bourg qui a 10 lieues de long. Quant à milliers, c'est le nom du patron des échoppes du bourg. Cela ne signifie pas qu'il y a ici des milliers d'échoppes. En entendant cela, Li Pai est parti d'un grand rire. Et non seulement il n'a pas blâmé Wang Lun, mais au contraire, il a été très touché par son invitation. Wang Lun était un hôte très attentionné, et il a tout fait pour que Li Pai, dont la carrière politique avait subi de sérieux revers, oublie momentanément tous ses soucis. Pendant cette période, à l'écart du monde, l'esprit du poète s'est peu à peu ouvert. Pendant les presque 6 mois durant lesquels Li Pai a vécu à Tao Hua Tan, il n'a jamais cessé de préparer son retour, même s'il avait beaucoup de mal à partir. Au moment du départ,
Wang Lun avait préparé pour lui des cérémonies et des cadeaux. Mais pour ne pas déranger ses hôtes et amis, Li Pai avait initialement prévu de prendre discrètement un bateau sans prévenir. Il n'avait pas imaginé qu'au moment de monter dans le bateau, il entendrait venir de la rive le bruit joyeux des chants et des pas de danse. Li Pai 趁着将鱼群，豁然暗上他歌声。为什么先生要私人用一个豁呢？这个豁就是到头了，你给他一个惊喜。想不到旺能这么欢送的场面，热闹的场面呢，欢送他。 Dans le Tao Hua Tran de l'Ancien Temps, le rituel d'adieu le plus solennel consistait en cette danse et ce chant accompagné de battements du pied. Cette danse et ce chant signifient la difficulté qu'on a à voir ses amis partir et les souhaits de bonheur qu'on veut leur transmettre. C'est au milieu de ces chants que Li Pai a fait ses derniers adieux à ses amis sur la rive. Il a été tellement ému qu'il en a écrit ce vers. L'eau à Tao Hua Tran est profonde de 1000 pieds, mais ce n'est rien à côté des sentiments de Wang Lun quand il m'a dit au revoir. 谈落天上星，龙开水中舞。来到桃花潭的李白感受到，这里不仅有吸引他的美景，更有让他为之牵挂的深厚情谊。5年之后，他再次来到桃花潭，与汪伦重逢，结伴相游。这两次期间，他留下了大量的诗篇。千百年后，人们纷纷循着诗人的足迹，寻访故地，领略醉人的皖南山水。 Pour honorer l'histoire de l'amitié légendaire entre Li Pai et Wang Lun, les gens d'ici ont plus tard construit un pavillon de la vieille rive des chants et des battements de pieds, à l'endroit où Li Pai avait fait ses adieux. Pendant les siècles qui ont suivi, d'innombrables hommes de lettres sont venus ici suivre les pas du poète immortel, faisant de cet endroit un lieu sacré de la littérature résonnant du son des vers. Ici, on ne sent pas seulement le grand talent du poète immortel, mais on a surtout une grande admiration pour l'amitié et les sentiments profonds des anciens. 李白跟汪伦的这段交往，实际上对当地人来讲应该是一个很大的震撼。毕竟不是所有伟大的诗人都能到一个偏远的小镇，更难的是这个伟大的人物，也许也不会因为这样一次相遇，就写下一篇千古的名篇。那作为汪伦来讲，李白写了这简单的四句诗，但内涵却不简单的诗给他。据说到了明代。 这个手记就李白给他写的这个诗，手记他后人还有保存。这首诗的出现，毫无疑问，就是给桃花潭镇的人，桃花潭镇的这种情谊文化，给他开启了一个法门。这个基因一经注入，永远不能改变，也会永远继承下去。 Wang Shunshui a aujourd'hui 50 ans. C'est un descendant de Wang Lun de la 57e génération. Tous les ans, en hiver, il amène toute sa famille pour qu'ils présentent leur respect à Wang Lun. L'histoire de leur illustre ancêtre se transmet dans la famille de génération en génération. Être bon et traiter les autres avec des sentiments authentiques, ce sont devenus des principes de base pour la famille Wang dans leur relation avec le monde. Aussi loin que se souvienne Wang Shunshui, ce genre de culture et d'éducation familiale ne se transmet pas seulement par voie orale. Elle est aussi présente dans tous les aspects de la vie concrète. Toutes les actions et les paroles d'un père influencent profondément ses enfants. Pour Wang Shunshui, qui a grandi à Tao Hua Tran, la graine de l'amour, de la justice et de l'amitié semée par son père a germé dans son cœur. Un jour de 2014, Wang Shunshui et sa femme conduisaient leur voiture, comme à leur habitude, pour aller gérer leurs affaires à la capitale du district. Soudain, ils se sont aperçus que devant eux, une voiture était allée se jeter dans un étang. En voyant trois personnes en train de se débattre à la surface de l'eau, Wang Shunshui n'a pas hésité une seconde. Il s'est élancé dans l'étang profond de 4 ou 5 mètres. Pendant ce temps, sa femme s'est elle aussi dépêchée d'appeler la police et de demander de l'aide pour les occupants de la voiture qui étaient sortis de la route.
Très vite, Wang Shunshui, occupé à sauver les personnes tombées à l'eau, s'est aperçu que le conducteur de la voiture était encore prisonnier à l'intérieur. Il s'est élancé de nouveau, avant d'utiliser son poing pour fracasser la vitre de la voiture et aider le conducteur à se tirer de ce mauvais pas. Alors que Wang Shunshui était presque au bout de ses forces, les habitants du bourg ont appris ce qui se passait. Ils se sont précipités pour joindre les opérations de secours. En travaillant tous ensemble, ils ont réussi à sauver tous les 5 occupants de la voiture. Ils ont même pu les sauver de manière très rapide, de sorte que les personnes qui étaient tombées à l'eau n'ont subi que des blessures mineures. Une fois en sécurité, les visiteurs venus d'en dehors de la ville étaient pleins de reconnaissance pour Wang Shunshui. Ils ont voulu lui donner une grosse enveloppe d'argent pour leur signaler leur admiration. Mais Wang Shunshui a refusé, très poliment. Les actes de courage et l'entraide dans les situations difficiles peuvent créer des liens d'amitié forts entre les personnes. Les liens d'amitié forgés dans l'adversité sont les plus forts et font oublier tous les dangers. Depuis cet incident, les deux familles ont continué à échanger des nouvelles au moment des jours de fête et à s'envoyer mutuellement des spécialités de leur région. Au cours de ces échanges, ces gens qui ne se connaissaient pas du tout sont peu à peu devenus bons amis. Depuis l'époque de Li Pai et de Wang Lun jusqu'à aujourd'hui, le vieux bourg de Tao Hua Tan a beau avoir traversé les siècles, son organisation générale n'a jamais changé. La longue rivière Qing Yi traverse tout le village, et c'est l'eau qui sert de frontière naturelle, avec différentes familles du village installées le long de la rivière. Les constructions dans le vieux bourg sont pour la plupart représentatives du style architectural inspiré de Lanhui au cours de la dynastie Tang. Avec ses portails de tuiles taillées, ses fenêtres sans vitres en pierre sculptée, et ses cadres de portes en bois travaillés, pleins d'une splendeur antique. La porte de la justice se dresse sur la rive ouest de la rivière. C'est un passage obligé quand on veut entrer ou sortir du territoire de la famille Wan. L'ancienne porte de la justice est un peu décolorée par le temps, mais dans le cœur des habitants de Tao Hua Tan, elle a une importance capitale. Les ancêtres du clan Wan viennent du district de Fufeng dans le Shaanxi. Ils ont émigré vers le sud durant la période des dynasties du Nord et du Sud pour échapper au désordre de la guerre, pour finalement s'installer à Tao Hua Tan sur la rive ouest de la rivière. Sous la dynastie des Tang, le clan Wan était connu comme un clan juste, du fait des relations amicales qu'ils entretenaient avec tous leurs voisins et du fait que jusqu'à 5 générations vivaient sous le même toit. L'empereur Taizong des Tang a lui-même été touché par leur conduite exemplaire. Il a honoré cette famille avec le droit de montrer cette porte de la justice. Au temps de l'empereur Wenzong des Tang, un fonctionnaire a été envoyé par la cour pour visiter les régions au sud du Yangtze, en apprenant que le clan Wan comptait plus de 300 membres sans que la famille n'éclate jamais en plusieurs branches. Ce fonctionnaire a décidé de venir les voir de ses propres yeux. Personnes travaillaient et vivaient ensemble, tout en maintenant un style de vie méthodique et ordonné. Le clan tout entier habitait ensemble sans qu'aucun conflit ne vienne troubler leur vie. La discipline familiale qui leur avait valu la porte de la justice n'avait jamais disparu. Quand le fonctionnaire en tournée est revenu faire son rapport à la cour, l'empereur Wenzong a été vraiment impressionné par une discipline familiale si rare. Il leur a personnellement signé un ordre, leur accordant de nouveau le droit à une porte de la justice. Ces deux générations d'empereurs, qui ont tous les deux honoré le clan Wan d'un même titre, voilà qui a fait la fierté de tout le clan. Pour tous les descendants du clan Wan qui passent la porte de la maison familiale tous les matins, le juste est le signe qui guide leur conduite. Au cours de l'histoire et des guerres, la belle région du sud de Lanhui n'a pas non plus été épargnée et a jadis subi une famine sans précédent. Il ne restait au clan Wan que des réserves de nourriture capables de faire vivre les quelques centaines de membres du clan. Mais pour aider la population de la région à échapper aux temps difficiles, les patriarches du clan se sont réunis plusieurs fois. Ils ont finalement pris la décision ferme de distribuer les réserves de céréales. Personne n'a contesté cette décision, et au contraire, tout le monde a redoublé d'efforts pour agir pour la justice et contribuer à l'effort commun. Après des centaines et des centaines d'années, l'érosion a commencé à colorer les tuiles et la pierre des vieilles constructions. Mais l'histoire de cette famille juste et le récit de leurs bonnes actions sont restés gravés dans le cœur de la population de la région.
et dans le cœur de tous leurs descendants. 走在古街上，曾经鼎沸的人生都已消散。 但如今的人们依然在用热情质朴的笑容迎接远方的来客。在时间的长河当中，桃花潭人没有让情谊易褪色，而是在用实际行动诠释着一直秉承的待人之道。Les montagnes bleues et l'eau verte font la beauté du paysage de Taohuatan, mais c'est cette culture de l'amitié et de la justice qui a permis aux habitants du vieux bourg de ne jamais perdre leur cœur. Zhang Xinglong est un habitant ordinaire du vieux bourg. Il n'a jamais abandonné son métier d'artisan charpentier. En juillet 2016, quand ils ont appris que leur fils avait une maladie grave, cette famille déjà pauvre a dû faire face à de nouvelles difficultés. Le médecin a dit à Zhang Xinglong que si son fils ne recevait pas de traitement d'urgence dans les deux semaines, sa condition pourrait entraîner une maladie cérébrale aiguë pour laquelle les chances de survie étaient minimes. À l'époque, la famille de Zhang Xinglong avait déjà des dettes qu'ils avaient contractées pour entretenir leur maison. Ils étaient incapables de payer les 200 000 yuan nécessaires au traitement. Mais alors que toute la famille cherchait désespérément une solution, la nouvelle de leurs difficultés est arrivée jusqu'au bourg. Les habitants du bourg n'étaient pas prêts à regarder sans rien faire, et les uns après les autres, ils ont mis la main au portefeuille. En seulement deux jours, ils ont rassemblé près de 200 000 yuan qu'ils ont remis à Zhang Xinglong. Grâce à cet argent inespéré, Zhang Xinglong a été soulagé d'un énorme poids sur le cœur. Aujourd'hui, la maladie de son fils est sous contrôle et la période la plus dangereuse est déjà derrière lui. Il peut désormais voir son fils en convalescence récupérer peu à peu. Et Zhang Xinglong ne tarit pas d'éloges sur les bonnes actions de ses voisins et amis. Elles sont gravées dans son cœur. C'est grâce à la profondeur de ce sens de la justice et de l'amitié que la vie de chacun peut trouver une nouvelle aurore. Si une famille souffre, tout le monde vient à son aide. Pour les habitants du vieux bourg, il n'y a rien de plus naturel. Il ne faut s'intéresser qu'à ce qu'on peut faire, pas à la récompense qu'on peut en tirer. Voilà la façon dont les gens de Taohuatan comprennent l'esprit de justice et de camaraderie. 轻易举世的桃花潭人从未想过回报，而这种无私的情怀更带有一种感染力，让越来越多的人审视自己，真诚和善意也随之传播得越来越广。也许我们可以这样说：当我们了解桃花潭的故事越多， Aujourd'hui, de plus en plus de visiteurs viennent à Taohuatan, attirés par la poésie et les beaux paysages. Les chemins de pierre résonnent des pas des visiteurs et le vieux bourg retrouve son animation. Pour les visiteurs, ce vieux bourg qui a acquis sa renommée et sa prospérité grâce à son amour de la poésie et de la justice, et lui-même tout entier traversé de poésie. Mais pour les habitants de Taohuatan, cette poésie est leur style de vie. Pour eux, la vie entière est poésie. À 7h30 du matin, Tianglong commence son travail de garde dans la zone touristique de Taohuatan. Son travail est tous les jours le même, simple et monotone, et il ne gagne pas beaucoup d'argent. Mais il n'a jamais été gagné par la frustration. Son cœur est plein de poésie et d'amour pour ses amis. Depuis deux ans qu'il travaille comme garde, il a pu observer de nombreuses aurores et crépuscules à Taohuatan. Et il a déjà écrit plus de 50 poèmes. Ah, 这个也是写李白的。对。
写李白的，我从小就喜欢李白。Au cours de son travail dans la zone touristique, Tiang Long est souvent en contact avec des visiteurs venus des quatre coins du pays. Quand les gens apprennent que ce gars de Tao Pratan est aussi poète, ils ne manquent jamais de lui exprimer leur admiration. Tout comme ce professeur d'université, beaucoup de gens ont noué des liens d'amitié profonds avec Tiang Long, du fait de leur appréciation pour sa poésie. Tiang Long partage souvent ses poèmes sur un réseau social chinois appelé WeChat, qui permet à des amateurs de poésie d'entrer en contact. Les saisons s'écoulent et les visiteurs vont et viennent à Tao Pratan. Chaque fois que vient le moment du départ, Tiang Long invite avec beaucoup d'hospitalité ses nouveaux amis à se joindre à lui. La poésie permet de transmettre ses sentiments, de mettre ses émotions en mots. Les amis qu'il rencontre grâce à la poésie enrichissent toujours plus la vie de Tiang Long. Après plus de 1200 ans, ce garde de Tao Pratan continue à vivre comme le faisaient Li Pai et Wang Lun. Cette élégance a attiré un nombre incalculable de gens. Le cœur de beaucoup de ceux qui sont venus a été conquis par le sens de l'amitié dans le vieux bourg. Et ils n'ont plus jamais voulu repartir. Dans le petit bourg, il y a un étrange voisin que les gens d'ici appellent Aming. De son nom chinois, Ke Wei Ming, il s'agit d'un natif des Pays-Bas, parlant un chinois très fluide, venu ici un jour avec sa femme. Le paysage tranquille des montagnes et rivières, le style ancien du village, les ont tellement enchantés qu'ils n'ont pas su partir. Ils ont décidé de s'installer ici il y a déjà 6 ans. Aux yeux de tous, Aming est désormais devenu un véritable habitant de Tao Pratan. Hey. 哪里有，哪里有，有，2块钱的豆腐，2块钱的白豆腐干。豆腐干我给你放好了。啊，好，对，嗯，好，好，谢谢你啊。不用谢。Ke Wei Ming a toujours cru qu'il devait exister un paradis sur terre, destiné à devenir son foyer. Il a parcouru le monde sans jamais trouver son coin de paradis. Mais c'est en arrivant ici qu'il s'est aperçu que ce lieu, chargé d'un esprit de cordialité et de justice, était l'endroit qu'il avait toujours cherché. Ce qui permet à un petit bourg de faire qu'un étranger venu de loin sente une atmosphère agréable, chaleureuse et même qu'il s'installe, ce n'est ni l'argent ni le profit, mais bien le sens profond de l'amitié et de la justice des habitants de Tao Pratan. C'est cette impression de vivre dans un paradis sur terre qui peut attirer des gens comme Ke Wei Ming pour qu'ils viennent prendre racine ici. Tao Pratan 古镇因一首古诗而声名远播，但更为人称道的是，它传承了千年的情谊文化。时光流转，世事轮回，碧波千尺的潭水，开开落落的桃花，给每个到这里访古的人讲述着桃花潭的故事。潭边来来往往的人换了又换，
但桃花潭人的深情厚谊一如既往给世间带来暖人的温度。野菊花黄泥巴，草堆围成一个家，前院妹妹后街望，难忘儿时过家家。红宫鸡绿青蛙，日出唱到夕阳下，一场大雨哗啦啦，童年岁月走远了。村口站着小儿羊，山一重水一汪，哪里住着爹和妈，春草绿发新芽，岁岁年年都开花。藏在